Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine de nuit. On va utiliser tous ces produits-là et on va utiliser ce Spa Fender de chez Yvonne. Je vais vous montrer comment l'utiliser. On n'a qu'à mettre de l'eau du robinet dans le récipient. Il y a une barre qui indique là où on doit arrêter le niveau. Puis on met ce petit passoire-là et on ajoute la débarbouillette. Moi j'utilise toujours Beba. Et après, on n'a qu'à mettre le couvercle, puis à le mettre dans le micro-ondes pendant 2 minutes, le temps que l'eau soit bien chaude et que votre débarbouillette soit très chaude aussi. Et là, nous nous retrouvons dans la salle de bain. Je vais utiliser ce petit jeu de produits qui est très, très, très en vogue ces temps-ci. J'enlève mes lunettes, bien sûr, pour pouvoir commencer. Ce petit jeu de produits est un placement sur plusieurs chaînes YouTube, mais moi je l'ai offert à ma cousine comme cadeau de Noël et on a vu que c'était très fonctionnel. Je vais utiliser mon gel peau visage de Enyon que j'ai acheté sur le site d'Evon. Puis je vais utiliser mon petit appareil qui marche de tonnerre parce que ça enlève facilement les impuretés. Je n'étais pas maquillée, alors je n'avais rien à enlever. Je mets une quantité de gel et puis je passe sur mon visage comme je le fais là. On actionne et puis ça le fait. C'est tellement doux, les poils sont super et ça nettoie de malade. Ensuite, j'utilise mon savon gommant à la cannelle après avoir enlevé le gel. J'utilise ce savon gommant à la cannelle et j'utilise ce deuxième tête, comme on peut l'appeler, ce deuxième embout qui est fait de 4 petites boules qui permet de bien masser le visage. C'est une façon de préparer mon visage pour tout ce qui va s'en suivre après avoir bien appliqué le savon, bien sûr. J'utilise cet embout là et waouh! Ma peau vibre de malade et ça enlève tous mes cernes. C'est comme si je me faisais un massage du visage. Et voilà, c'est le moment de rincer le visage. On enlève et maintenant je vais utiliser mon Spa Fender. Son but lui-même, c'est quand vous enlevez le couvercle, la vapeur d'eau va monter. Là, il n'y en avait pas beaucoup parce que j'ai pris trop de temps pour me masser le visage. On enlève le débarbouillette. Puis on le dépose délicatement, bon vous mettez la chaleur que vous pouvez supporter. On le dépose délicatement sur le visage pendant 1 minute ou 2 de façon à ouvrir les pores pour pouvoir enlever tous les points noirs, tout ce qui n'est pas bon dans le visage. Moi je l'ai mis à 2 reprises sur mon visage, 1 minute en haut, 1 minute en bas. Et quand j'ai vu que mes pores étaient assez dilatés, j'ai enlevé toutes les impuretés. Je ne vous ai pas montré cette partie. Bon, là, vous savez comment enlever les impuretés. Vous n'avez qu'à presser un petit peu parce que les pores sont déjà très dilatés. Après 3 minutes, j'avais terminé. 1 minute en haut, 1 minute en bas et 1 minute pour tout enlever, les germes blanches, les points noirs. C'était parfait. Et là, c'est le temps de faire un masque. Je n'avais pas d'argile sous la main. Il y avait ce petit modèle de masque super hydratant dans le jeu. Je ne vous conseille surtout pas de faire comme moi. Alors, j'ai utilisé ce masque et croyez-moi, c'était parfait. D'habitude, j'utilise de l'argile ou bien je fais un masque à l'avocat. Mais waouh, c'était parfait. Ce petit masque est super hydratant. Ça m'a laissé une peau souple déjà que mes pores étaient très dilatés, mes pores se sont refermés bien sans aucune particule. Wow, j'étais très contente de moi d'avoir testé ce jeu parce que c'est un jeu, c'est pas le modèle qu'on vend à 30$, mais c'est un jeu que j'ai acheté pour elle. Mais wow, ça a fait un effet de malade. J'ai même gardé parce que je l'utilise maintenant. C'était la meilleure routine que j'ai eue pour un week-end. C'est comme le pamper routine à avoir. Cinq minutes plus tard, j'ai enlevé mon masque et ma peau était super douce. Waouh, ma peau était douce, était très 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 clean.
Et je n'ai eu qu'à faire toutes mes autres routines. Si vous voulez une routine plus appropriée de ce que je fais, comme j'enlève mes poils, épilation, si vous voulez, dites-le moi. Mais c'était le moment pour moi d'aller prendre ma douche. J'ai continué toutes ces routines-là, disons, derrière le rideau. Et là, je vous retrouve pour vous montrer comment je termine la routine de mon visage. Je ne fais que mettre de la glycérine parce que ça a un effet hydratant. Pas en grande quantité, une goutte, ça suffit pour hydrater votre visage. Je ne mets pas de crème, que de la glycérine quand il le faut. Ma bouteille était vide, bien sûr. Puis pour mes lèvres, j'ai juste mis ma baume d'amande douce qui donne mes lèvres très hydratées. Surtout que j'utilise beaucoup de format ces temps-ci et ça m'aide beaucoup à hydrater mes lèvres le soir. Et voilà, c'était tout pour cette routine. N'oubliez pas, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et pour le Spa Fender, dites-le moi, j'ai un offre à vous faire gagner si vous êtes intéressé. Si vous l'êtes, alors commentez, partagez, abonnez-vous et commentez en dessous de la vidéo. Vive la routine? Non, je vous dirai ce que vous devez mettre, mais je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!